L'exposition Brou, vous l'avez présentée à partir de l'automne 2019. Quel souvenir gardez-vous de l'inauguration de cette expo-là? Bien, ça avait été une belle fête parce que, d'abord, les trois comédiens de Brou étaient là. Michel Côté était là, un homme charmant. Pour eux, c'était comme un accomplissement. Jamais ils auraient cru qu'une pièce de théâtre qu'ils avaient conçue dans une petite salle finirait un jour dans un musée avec une exposition consacrée, avec une donation. Et pour eux, c'était comme presque un miracle. Et ils étaient très redevables de ça. Michel Côté et ses complices, Marc Messier et Marcel Gauthier, avaient rencontré le public et les journalistes dans le cadre de l'ouverture de l'exposition. Moi, ce qui est venu me chercher tantôt, c'est la coulisse. Parce que nous, notre contact, c'est beaucoup plus la coulisse. On n'a jamais été dans la salle pour voir le show, vraiment. Et on sentait l'affection des gens pour les trois comédiens, pour cette pièce-là. Est-ce que vous vous souvenez de choses particulières auxquelles Michel Côté tenait dans l'exposition? Les trophées. Les trophées, les médailles, il en était très fier. Le livre des records Guinness, dans la pièce qui a été présentée la plus de fois. Il était très, très fier de ça. Les trois comédiens l'étaient, mais Michel particulièrement. C'était pour lui là, une preuve de réussite, bien sûr, mais aussi de l'amour du public. J'essaye de rester chill, mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Tu dis chill? Je dis chill. Je dis pas chill. Oui, je dis chill. Vous avez parlé cinéma ensemble, peut-être? On a parlé cinéma, on a parlé toutes sortes de choses. Je lui ai même écrit encore la semaine dernière. On savait qu'il était très malade. Je voulais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la société, son grand talent, sa grande générosité. Vous savez, c'était un gentilhomme, Michel Côté. Comment ça va, mon Dieu? Le spectacle Brou, qui a été présenté un total de 3322 fois avec sa distribution originale, a attiré beaucoup de spectateurs à la salle Albert Rousseau. En fait, c'est le spectacle qui s'est produit le plus souvent à la salle Albert Rousseau. Avec la distribution originale, dont notamment Michel, c'est 227 représentations. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est quasiment un spectacle en résidence. Il était toujours très bien accueilli, souvent salle comble par les gens de Québec. Fait que c'est un pilier qu'on perd.